Bonjour, bonjour. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien avec ce beau soleil d'aujourd'hui, mais ce froid. Attention, ça va se refroidir dans la semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une nouveauté, enfin pour la France, qui n'est pas une nouveauté puisque déjà aux États-Unis, ça y était l'année dernière. C'est les mousses d'embellissement Nuvo. Donc, voilà comment se présentent ces mousses. Alors, j'ai fait quelques folies. J'en ai acheté de différentes couleurs. J'ai bien eu du mal à savoir quelle couleur j'allais acheter parce que toutes sont plus ou moins jolies. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris 6 couleurs. 2, 4, 6 couleurs. J'ai pris une couleur mauve, une couleur bleu navy, une couleur beige, une couleur or, une couleur aquamarine et une couleur jaune. J'espère que vous voyez bien toutes ces couleurs. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de ces couleurs. Donc voilà comment se présentent ces mousses. Alors c'est une texture qui est assez crémeuse. En fin de compte, on parle de mousse, mais à l'application, c'est plutôt crémeux. Ça fait comme un genre de beurre. Et on applique cette mousse sur son papier. Il y a différentes utilisations. On peut l'utiliser sur du papier, sur du bois, sur du métal, sur tout ce qu'on veut, en fin de compte. Donc, vous voyez, c'est une crème assez consistante quand même, mais qui s'étale assez facilement. Alors pour l'utilisation, on peut l'utiliser telle qu'elle est là, sous cette forme crémeuse. On peut y rajouter un peu d'eau et dans ce cas-là, on l'utilise comme une aquarelle. On peut l'utiliser également avec un pochoir. Donc, on met son pochoir, on met avec une spatule, on applique cette crème. Donc voilà les utilisations de cette texture. Alors pour l'utilisation, cette crème, on prélève un petit peu, qu'on met sur un socle ou bien moi j'ai pris un rhodoïde, on l'étale, voilà, et avec un pinceau, alors là à sec, on applique sur son papier. Je vous mets un petit peu plus pour que vous voyez bien. Donc voilà ce que ça fait. Regardez le bel effet que ça fait. Ça fait un effet métallique. C'est super joli. Donc je disais avec un pinceau et de la mousse pure. Maintenant on peut l'utiliser en aquarelle. Donc pour ça, il faut rajouter un petit peu d'eau. Donc j'ai un pinceau réservoir. Je ne sais pas s'il y a encore un peu d'eau dedans. Oui, c'est bon. Un pinceau réservoir. Donc par exemple, je vais faire une fleur. Voilà. Je vais appliquer ma fleur. Voilà. On va laisser sécher un petit peu et avec mon pinceau réservoir je vais tremper donc mon pinceau dans cette pâte et je l'applique sur ma fleur. J'ai mis trop d'eau. Donc ça fait comme de l'aquarelle. Alors là, il y a bien trop d'eau dans mon pinceau. C'est pas tout à fait sec mon encre.
Voilà. Ça fait comme si on mettait une peinture aquarelle. Alors, si c'est trop humide, eh bien, on sèche un petit peu. Voilà. Et voilà une fleur avec cette mousse sous forme d'aquarelle. Allez, voilà maintenant autre test avec un pochoir. Donc pareil, je prélève un petit peu de pâte. Donc j'étale ma pâte pour la ramollir un petit peu pour que ça refasse comme une comme du beurre. Je pense que j'en ai pas mis assez, mais j'en rajouterai tout à l'heure. Donc voilà, je l'étale donc sur mon pochoir. Je vais aller jusqu'à la fin de la ligne. Alors, le problème, c'est que ça saute partout. C'est pour ça que normalement, dans le pot, on doit l'étaler pour que ça fasse une crème tout de suite. Mais bon, mon pot est neuf, je ne vais pas... Je ne vais pas tout mettre en crème... Peut-être que je devrais, je ne sais pas exactement comment faire. On peut l'étaler avec le doigt aussi. Et voilà. Voilà. Je mets un petit peu les mains avant parce que c'est vrai qu'on en a un peu partout cette crème là. Alors surtout bien nettoyer les outils une fois terminé, parce qu'au bout d'une demi-heure, si ça a séché, je pense qu'on peut plus le ravoir. Voilà. Tout a pas, j'ai pas mis assez épais. Donc voilà ce que donne avec le pochoir. Bon, il y a des mots qui n'ont pas très bien marqué, mais bon, voilà. Alors peut-être qu'on pourrait remettre dessus et rectifier, mais je suis pas sûre qu'on retombe dessus. Donc ben, j'essaierai tout à l'heure quand ce sera sec, je reviendrai dessus. Donc voilà déjà les trois manières. Donc avec le pinceau et de l'eau et avec la spatule.
Donc voilà, bon, j'ai rectifié un peu, donc j'ai remis le pochoir en place et j'ai repassé de la pâte dessus. Et voilà ce que ça fait quand lorsqu'on utilise un pochoir. Donc je vous remontre donc avec le pochoir. Ici simplement avec la pâte sans eau et là avec un peu d'eau, donc en forme d'aquarelle. Alors vous voyez peut-être pas bien à la caméra, mais ça fait un effet satiné, un effet métallique et c'est super joli. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ben, j'ai monté ça sur une petite carte. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc avec les couleurs que j'avais, j'ai rajouté une petite pancarte en sentiment et puis des petites fleurs que j'ai aquarellées avec cette mousse d'embellissement. Donc voilà, voilà la carte faite aujourd'hui. J'avais également fait un petit papillon. Donc voilà, je vous le montre. Donc pareil, vous voyez, il est tout brillant. Donc là, c'est pareil, c'est fait avec de la pâte pure prise au pinceau. Je crois pas qu'il y avait pas d'eau dessus. J'ai mis simplement le pinceau, j'ai gratté avec le pinceau, c'est tout. On peut également donner du peps à nos cartes. Par exemple, j'avais préparé une carte il y a quelque temps là, mais je viens de finir de la colorer parce que je l'avais pas fait encore. Et ben, je vais y mettre de la mousse, l'embellissement en mousse dessus pour faire scintiller mes fleurs. Donc là, je vais commencer par le bleu aquamarine, enfin, qui est un petit peu turquoise, mais bon. Donc je trempe dans mon petit pot et je repasse sur mes fleurs. C'est pas tout à fait les mêmes tons, mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça va rendre. Si vous allez bien voir au niveau de la caméra. Donc j'essuie mon pinceau après chaque utilisation. Je vais faire en jaune maintenant. Donc là, j'utilise le jaune. Donc au niveau du jaune, ça sera mieux tout, je pense. Ça donne un effet satiné à ma couleur. C'est super beau. Je ne sais pas si on peut voir quelque chose, si ça brille ou pas. Donc voilà pour le jaune. J'ai reçu mon pinceau. Maintenant, ben, je vais attaquer le violet. Et ça, s'il est joli aussi, le violet.
Donc voilà. Voilà, donc on peut métalliser ces, bah, ces embellissements en mettant une couche de mousse soit sur sa peinture, soit sur ses feutres, etc. Alors on peut également faire des petites découpes et puis les enrober de cette mousse-là. Par exemple, on fait un petit cœur. Je vais vous faire un petit cœur. Voilà, je vous ai découpé un petit cœur. Je vais l'embellir. Alors ceux qui sont fragiles, qui ont des allergies, il vaut mieux éviter d'y mettre les doigts. Il vaut mieux prendre un pinceau ou quoi que ce soit. Ou bien mettre des gants. Regardez ça, je ne sais pas si l'on voit bien. Comment il est beau. Oui, alors on ne voit pas, c'est pas évident, il est tellement petit. Voilà, pour que vous voyez mieux, je l'ai collé sur la carte. Et voilà. Donc, voilà, ça a un effet brillant. Alors, c'est vrai que ça ne se voit pas énormément, mais je vous assure que ça a un effet satiné ou métallisé. Eh bien, c'est super beau. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas de laisser des petits commentaires. Bisous, bisous.